les chasseurs déclarent « Toute vie humaine est une vie. » Il est vrai qu'une vie apparaît à l'existence avant une autre vie, mais une vie n'est pas plus ancienne, plus respectable qu'une autre vie. De même qu'une vie n'est pas supérieure à une autre vie. Les chasseurs déclarent « Toute vie étant une vie, tout tort causé à une vie exige réparation. Par conséquent, que nul ne s'en prenne gratuitement à son voisin, que nul ne cause du tort à son prochain, que nul ne martyrise son semblable. » Les chasseurs déclarent que chacun veille sur son prochain, que chacun vénère ses géniteurs, que chacun éduque comme il se doit ses enfants, que chacun entretienne, pourvoie aux besoins des membres de sa famille. Les chasseurs déclarent que chacun veille sur le pays de ses pères. Par pays ou patrie, phaso, il faut entendre aussi et surtout les hommes. Car tout pays, toute terre qui verrait les hommes disparaître de sa surface deviendrait aussitôt nostalgique. Les chasseurs déclarent « La faim n'est pas une bonne chose. L'esclavage n'est pas non plus une bonne chose. Il n'y a pas pire calamité que ces choses-là dans ce bas monde. Tant que nous détiendrons le carquois et l'arc, la faim ne tuera plus personne au Mandaine, si d'aventure la famine venait à sévir. La guerre ne détruira plus jamais de village pour y prélever des esclaves. C'est dire que nul ne placera désormais le mort dans la bouche de son semblable pour aller le vendre. Personne ne sera non plus battu, a fortiori mis à mort, parce qu'il est fils d'esclaves. » Les chasseurs déclarent « L'essence de l'esclavage est éteinte ce jour. D'un mur à l'autre, d'une frontière à l'autre du Mandaine. La razzia est bannie à compter de ce jour au Mandaine. Les tourments nés de ces horreurs sont finis à partir de ce jour, au Mandaine. Quelle épreuve que le tourment, surtout lorsque l'opprimé ne dispose d'aucun recours. L'esclave ne jouit d'aucune considération, nulle part dans le monde. » Les gens d'autrefois nous disent « L'homme en tant qu'individu fait d'os et de chair, de moelle et de nerfs, de peau recouverte de poils et de cheveux, se nourrit d'aliments et de boissons. Mais son âme, son esprit vit de trois choses. Voir qui il a envie de voir, dire ce qu'il a envie de dire et faire ce qu'il a envie de faire. » Si une seule de ces choses venait à manquer à l'âme humaine, elle en souffrirait et s'étiolerait sûrement. En conséquence, les chasseurs déclarent « Chacun dispose désormais de sa personne. Chacun est libre de ses actes. Chacun dispose désormais des fruits de son travail. » Tel est le serment du Mandaine, à l'adresse des oreilles du monde tout entier. Yeah.